Vendredi 26 novembre, les téléspectateurs découvriront les années télé de Mireille Dumas, diffusées sur France 3. Sorti à l'occasion de ses 40 ans de télévision, le documentaire revient sur la carrière de la journaliste et sur des émissions comme Vie privée, Vie publique ou encore Bal et masque, qui ont construit sa notoriété. Pour compléter ce documentaire, Mireille Dumas a proposé un ouvrage à ses fans, disponible à partir du 18 novembre. Dans Rencontres inoubliables, Vie privée, Vie publique, la journaliste qui apprécie un mode de vie simple propose une extension du documentaire, dans lequel elle se raconte à travers plusieurs rencontres qui l'ont marquée. J'avais envie de retrouver des entretiens dans la longueur, alors j'ai choisi 19 rencontres avec des personnalités et je les commente. Je raconte ce qu'il s'est passé avant et après, ce que j'ai ressenti. Je redonne du temps au temps, a-t-elle expliqué à Télé 7 jours à propos de son livre. Mireille Dumas révèle que sa mère faisait aussi fonction de père si dans son livre, Mireille Dumas se raconte à travers ses interviews, sa préface offre une narration beaucoup plus personnelle, sans support intermédiaire. Dans le dernier numéro de Télé 7 jours, la journaliste explique pourquoi elle se sentait obligée de s'ouvrir dans cette préface, et d'expliquer la genèse de sa passion pour les témoignages de vie. Les gens m'ont tellement donné qu'il me semblait respectueux vis-à-vis des téléspectateurs et des lecteurs de dire où tout cela, cette curiosité de l'autre, avait puisé son origine, déclare-t-elle. Cette curiosité de l'autre, Mireille Dumas l'associe sans hésiter à son enfance solitaire. Je regardais la vie à travers la fenêtre, et je voyais une cour d'école, puisque ma mère était en plus mon institutrice, commence-t-elle. Ensuite, l'ancienne animatrice de Vie privée, Vie publique a fait une confidence au magazine sur sa mère, décédée à l'âge de 101 ans. Une révélation qu'elle n'a pas fait apparaître dans son livre, « Je ne l'ai pas écrit mais elle faisait aussi fonction de père, puisque celui-ci est mort quand j'étais jeune. » Loading widget.